Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogtops. Aujourd'hui, on se réveille dans la maison de Caroline et on va se mettre en train pour commencer notre journée à Mystic Falls. Chez Elena, elle est vraiment grande hein, leur maison. Ils ont trois emplacements de voiture. Ouais. Mais ça se voit qu'il fait jamais froid ici parce qu'ils n'ont pas besoin de garage, ils ne doivent pas dégivrer. Ça veut dire que ça, c'est un emplacement de voiture pour nous aussi. Oui, je pense que oui. On n'a pas besoin, enfin, on peut se mettre à l'abri ou pas. Ouais. Non, elle est bien notre maison en vrai. Le jardin, il est grand. Hein, pour une maison de ville comme ça, là, cette fenêtre, elle est trop belle. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Tu fais donc, il fait l'exploration, il est trop content. Et là, on peut rejoindre le devant de notre maison. Mais c'est pas trop désherbé. T'es content? Il aime bien courir dans les feuilles. Gaston de la deuxième chaussée de Chromie dans la baignoire de Caroline. Il y a une très très belle lumière ici. Qu'il s'est refroidi et qu'il se soit durcifié au frigo toute la nuit. On va manger le petit biscuit. Allez, c'est parti. Je suis en train d'écrire dans le journal, dans leur livre d'or, avec le petit stylo seringue. Pour dire qu'on a eu un super séjour, voilà, voilà, sur le magnifique Porsche de Caroline. C'est tellement bien, c'était trop trop bien notre séjour. Et regardez-moi ça, c'est dingue, génial. Tous les extraits qui ont été filmés ici, par exemple ça, ça a été filmé juste là. C'est trop cool. Il faut que je me recule encore un peu. Juste là. C'est super cool. Tu vois vraiment la porte d'entrée? Ah oui. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. L'extérieur de la maison. Là aussi. Et après, le truc le plus iconique, c'est ces fenêtres-là. Quand elle ne peut pas sortir. À cause du soleil, moindre détail. Il y avait des petites décos Vampire Diaries. C'est exceptionnel. Et moi, ce que j'ai adoré. Non, il faut que j'aille la fermer. C'était sévère, je les trouve trop beaux. On est en train de dire au revoir à la maison de Caroline. C'était beaucoup trop bien. T'as bien aimé, toi, cette maison aussi. Courir partout. Hein, mon chouchou?
Voilà, et puis on va y aller. Hein. Alors, on est en train de partir de chez Caroline. On vient de rencontrer une des deux propriétaires de la maison, trop gentille, et qui nous a raconté qu'en fait, la maison, elle voulait aller la voir et qu'elle a vu qu'il y avait un signe à vendre dessus. Et pof, pof, elle l'a acheté. Voilà, et elle en a plusieurs. Elle a la maison, elle aide avec la maison de Rebecca à gérer. Ça doit être peut-être aussi un Airbnb. Et voilà, elles ont plusieurs maisons par ici. Et la dame était trop gentille. Et donc, elle fait avec sa fille. Et sa fille, elle fait du très beau merch. Les verres que je vous ai montrés, tout ça. En fait, c'est la fille qui a cette maison qui le fait. Donc, c'est beaucoup trop cool. Et là, on va aller au Visitor Center. Et on va aller faire un tour, cette fois-ci, nous-mêmes. Comme ça, on pourra tout vous filmer sur, encore une fois, bah, Vampire Diaries, Mystic Falls, les lieux de tournage. C'est parti. On a le plan de Covington. On a notre gilet tricot balade et on part en expédition pour voir encore plus de lieux de tournage et puis ceux qu'on a vus hier également. Voilà donc au centre des visiteurs, le panneau de Mystic Falls, on se sent bien chez nous. Le jardin du Visitor Center, il y a les panneaux des films qui ont été tournés là. Donc déjà il y a mes trois préférés à la suite, Vampire Diaries, The Original. Ça me fait trop triste de lire une date de fin sur ce truc là. Derrière Vampire Diaries il y a un film. Sweet Magnolias. Selma, ça je connais pas. The Dukes of Hazzard, on l'a vu plusieurs fois, je crois qu'ils ont beaucoup tourné ici. Et In the Heat of the Night également, on en a beaucoup entendu parler, c'est vieux. Hein. Dolly Parton, viens loulou. Et Legacies. Là, on passe devant le Corner Spa, le spa des Sweet Magnolias. Et c'est beau. Hein. Et sinon, le reste du temps, c'est un bureau pour un avocat. Ce qui est assez drôle, puisqu'il y a aussi une avocate dans le show. Mais voilà, c'est très joli. C'est magnifique. Elle ressemble un peu à 12 Oaks, hein, avec le balcon en dessous du. Ouais. Antebellum. Regardez cette voiture. C'est génial. On a une murale du lieu où ils ont fait la fameuse scène du Rain Kiss. On arrive à la station essence où Catherine et Stephen s'arrêtent. On a une camionnette des agents du Shield. Et là, on a le signe de la Salvatore Boarding School de Legacies. Voilà la fameuse station essence. On a notre petite table habituelle du Mystic Grill sur la terrasse. Là où il y a la place et en fait on va attendre que notre table soit prête pour aller manger au Mystic Grill. Le menu du lunch du Mystic Grill, il est un peu différent. Par exemple là moi je vais prendre un Mystic Grill Cheese. Voilà. Maman elle va prendre une salade César je pense. J'ai fait une petite entorse à notre Vampire Diaries puisque j'ai commandé une bière au beurre de Harry Potter. Mais elle me faisait trop envie. C'est une bière au beurre slushy. Et j'adore la slushy. C'est le menu des desserts. Je pense qu'on va pas en prendre un aujourd'hui parce que on peut manger que un plat au Mystic Grill. Et déjà... Non.
déjà c'est beaucoup, mais voilà, il y en a qui ont l'air quand même hyper bon. Que vous vous étiez toujours demandé à quoi ça ressemblait un mystique grilled cheese, et bien le voilà. Et la salade de César du mystique grill, et ils nous ont fait un petit plat de poulet pour notre chien. Cupidon, il a droit à son petit repas au grill. Dans la fameuse allée où Finn meurt, je pense qu'ils sortent par cette porte, ils le tuent ici, ils rentrent. Efficace. Vas-y, explique-nous. Non, mais vas-y, fais la guide. C'est là où Stephen et Elena voient Lexi se faire tuer. Merci. Ça, c'est les fenêtres du bureau de shérif de Liz Forbes. Ça, c'est par là que Stéphane y sort après s'être fait interroger sur la disparition de Vicky. Et en fait, on est sous le clocher là, on voit pas bien, mais c'est le clocher là, ce bâtiment. Ouais. Au-dessus de Vampire Stalkers, il y a l'appartement d'Alaric avant qu'il déménage dans la maison des Gilbert. Sur le toit de cet immeuble, qu'ils ont filmé la scène avec Damon, Stéphane et Vicky quand Stéphane sauve la vie de Vicky. Ils disent que c'est sur le toit du Mystic Grill, mais en réalité, pour eux, c'était plus simple de filmer dans ce sens-là avec ce toit-là. À l'entour de la fin de la saison 1, on met les vampires en fait sous le cabinet médical de Grayson Gilbert. C'est John, donc le frère qui spearhead cette manipulation. Et Elena va venir secourir Damon et Stéphane. Et en fait, c'est ça, par contre, ça a été vraiment fait sur la même localisation, c'est-à-dire que c'est juste là par rapport au coin. Et là, c'est la porte par laquelle elle rentre pour aller les secourir. En fait, c'est juste là par rapport au coin où on les a mis à l'intérieur. On voit très bien la Clock Tower d'ici. Bon, malheureusement, à cause du camion, on voit pas bien le grill, mais là, on le voit. Merci. Et là, on va dans ce coin-là, qui est l'endroit. Alors ça, c'est une scène un peu particulière, mais c'est une scène que j'aime beaucoup. C'est la scène entre Caroline et Matt, avec la chanson, la reprise de Mr. Sandman, que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de revenir ici avec mon Dream a Little Dream pour faire la petite photo dans ce coin-là. De découvrir des nouveaux comment ça s'appelle, des scarecrow, parce qu'ils font toujours leur concours. Et là, celui-là, c'est notamment celui de Moonstone Reiki and Wellness, et je me demande s'ils ont fait exprès de l'appeler comme ça pour Vampire Diaries. Alors, je vous filme pas tout parce qu'il y a des endroits où c'est juste genre des rues, des trucs comme ça et tout. Par exemple, cet endroit là je vous filme aussi parce que il y a des jolies décos d'Halloween. Mais dans la saison 3, c'est là devant que Bonnie et Caroline suspendent des lanternes pour la journée des fondateurs. Vraiment, cette maison est trop trop belle. Là, c'est exactement là qu'ils ont filmé dans le dernier épisode de la série la marche avec Elena et Damon. Elena qui marche, et ensuite qui arrive à sa maison, qui est là, et qui retrouve des membres de sa famille, sur le porche de sa maison. Là, nous sommes donc à la maison d'Elena. Donc on se retrouve un peu là où on était ce matin. Là, il y a notre maison, parce que soyez, c'est notre maison. Hein. La maison d'Elena, c'est trop trop cool. Le tour hier, elle nous racontait, vous savez, à un moment dans la série, la maison, elle brûle. Et en fait, ça, ils ont été obligés de changer un peu la série et de faire cette storyline parce que la maison avait été vendue et qu'ils n'étaient pas sûrs que la propriétaire suivante re-signerait le contrat de tournage pour cette maison. Et du coup, ils ont été obligés de la faire brûler. Alors, il y a dans cette maison-là, il n'y a que l'extérieur, le porche, etc. qui a été filmé. Tout le reste est dans un studio parce que le pilote de Vampire Diaries, ça a été tourné dans un studio à Vancouver. Du coup, la chambre d'Elena et tout qui apparaît dans le pilote, il fallait garder la même. Et donc,
tout l'intérieur de la maison, en fait, on ne l'a jamais vu dans la série. Par contre, l'extérieur, le porche, etc., on le voit très souvent dans la série. On a la maison d'Elena. Et ici, c'est là que Alaric s'est fait percuter par une voiture. En fait, donc notre guide hier, je vous avais expliqué, en fait, tous ces guides-là, donc c'est les Vampire Stalkers, en fait, ils sont devenus guides suite au fait qu'ils habitaient à Covington et que quand la série a commencé à tourner, ils se sont pris au jeu d'aller à chaque fois sur les lieux de tournage et ils s'écrivaient, ils disaient « Oh là là, je l'ai vu qui tournait là » et ils allaient regarder les tournages. Et donc, on lui demandait est-ce que du coup, vous n'étiez pas spoilé en regardant les scènes être tournées et tout. Il nous disait non, parce que déjà, bon, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est en studio, donc ça, il ne le voyait pas. Et il y avait plein de choses qui tournaient et qui, en fait, ne sortaient pas ou sortaient différemment dans la série. Notamment, la scène où Alaric se fait percuter par une voiture juste là, où, en fait, eux, ils ont vu Jérémy se faire percuter. Et c'est un autre jour où ils étaient peut-être pas forcément là, où je sais pas, qu'ils ont fait Alaric se faire percuter. Et que c'est ça qui est sorti dans le show. Donc c'est intéressant de voir les différentes stories qui auraient pu se passer. Et vraiment, ça avait l'air trop cool quand elle racontait qu'ils allaient à droite, à gauche pour regarder les tournages. Et vraiment, la guide était très 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 intéressante. And leave town. Location fact. Production added the temporary picket fence and removed it once filming was complete. Bah oui, ok, donc en fait là, Klaus est retiré. Avant il y avait une clôture, petite clôture blanche là, il retirait la clôture blanche. Et ensuite, il allait tac 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 chez Elena, balancer les morceaux de la clôture à travers les fenêtres et tout pour la faire sortir et la récupérer. Maman qui se retrouve devant chez Caroline, elle se gêne pas. Ça y est, c'est chez nous, hein, cette maison-là. Ça va. Il se sent bien, chez lui devant la maison de Caroline aussi. Pas partie de Vampire Diaries, mais c'est une petite chaumière qui est trop trop mignonne. C'est la maison de Bonnie. Voilà. Regardez cette maison, elle est géniale, elle est rose. C'est exceptionnel. Ça, c'est des vraies citrouilles qu'ils ont carvées. Mais ils sont trop forts! C'est trop bien! Ils sont vraiment ultra 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 forts. Là, c'est la maison la mieux décorée. Regardez-moi ce truc gigantesque. Toute une scène bateau de pirates. Les flamants roses, les octopus, le squelette accroché. Tout un cimetière. Michael Myers dans la fenêtre. Cette pierre tombale, elle est pas mal. C'est exceptionnel, cette maison-là. J'ai l'impression qu'il y a même des trucs après plus loin. Hein. Vraiment trop cool. Là, c'est la maison d'Isobel. The nicest foreclosure in town. C'est la maison de Grams, la grand-mère de Bonnie. Aux États-Unis, on adore les drives. Là, c'est la première fois du séjour au Dunkin' Donuts Drive. Un kiki. Et il fait tellement chaud qu'on n'a pas pris des boissons d'automne. On a pris des trucs très d'été. Très, très d'été. Bientôt 16h, donc on va retourner à 12 Oaks. Et voilà, on est de retour dans la demeure de Maman Nuage, 12 Oaks. Cette fois-ci, on va dormir dans une chambre qui s'appelle Brothers Bourbon. C'est genre la deuxième chambre des Salvatore. On va dire que la première chambre qu'on a faite, c'était celle avec les fenêtres juste là au rez-de-chaussée. C'était la chambre de Stephen et ce soir, on va dormir dans la chambre de Damon parce que le Bourbon, c'est plus un truc de Damon quand même.
Voilà, c'est super. Et celle-là, là, je ne peux pas vous la montrer de l'extérieur parce qu'elle est de l'autre côté de la demeure, au premier étage. J'ai dit tout à l'heure qu'on était au premier étage. Correction, nous sommes au deuxième étage de la maison. Voilà notre chambre. On a Kiki qui nous accueille. La plaque de notre chambre, super belle. Voilà notre lit. Ça fait un peu pirate avec le coffre. Le coffre est genre immense. On a un petit canapé hyper cosy. Tout ça là, c'est super beau, franchement. Coucou. Voilà. La petite cheminée, ça va être cosy de chez cosy ce soir pour tricoter. Le whisky de Paul et Ian, donc les acteurs qui jouent Stephen et Damon. On va pas trop goûter, je pense, mais on fera peut-être des petites photos. Time to bond. Et le clou du spectacle. Regardez-moi cette baignoire. Maman me dit que cette baignoire a coûté 14 000 $. Elle l'a lu dans un des magazines du 12 Box. Là, il y a des instructions carrément pour l'utiliser avec cette fenêtre splendide. Voilà, rien, même pour ça, quand je prendrai mon bain, tu pourras venir t'asseoir là avec moi pour me parler. J'ai toujours bien aimé que ma mère vienne me parler quand je prenais mon bain. Et là, c'est genre les éviers. Et après, il y a une douche, ça fait comme une petite cabane, hein, la douche. Sympa. Et dans chaque chambre, il y a les produits L'Occitane à la verveine pour se protéger des vampires. Oh là là, trop bien. Et du coup, on a un petit peu, on a l'occasion de voir dans les autres chambres du 12 Vox. Donc celle-là, c'est la Breakfast at Tiffany's, je vous l'avais déjà montré. Regardez ça, juste ça, ça me fait trop penser à la banquette de fenêtre d'Elena que j'adore. Et après, on a cette chambre-là dans laquelle on ne va pas rester, mais c'est la Sweet Home Alabama. C'est un film, honnêtement, je n'ai pas vu ce film, mais voilà, je vous l'avais déjà montré, c'est là, ce petit coin aussi, ultra cosy, c'est beaucoup trop mignon. Et là, c'est une chambre, par contre, celle-là, on ne l'avait pas vue. C'est la Suite Magnolias, en rapport avec la série. Franchement, le lit à baldaquin, comme ça, c'est très mignon. Là, il y a encore, mais c'est peut-être un peu moins joli, parce que du coup, il y a une rambarde. Encore une petite chambre pour Cupidon. On a le droit de se balader dans les chambres quand il n'y a personne. Là, c'est quand même sympa pour écrire et tout. Et oh, la salle de bain, elle est vraiment très belle. Bah, c'est un peu inspiration du corner spa. Par contre, il y a juste un évier. Mais sinon, la baignoire a l'air âgée et tout. Mais pour une baignoire âgée, elle est belle. Enfin, elle est un peu ancienne, inspiration ancienne et tout. Donc, c'est trop beau. Franchement, magnifique. Regardez ça, c'est pas possible, c'est trop trop joli. Donc voilà, et donc, oh, mais même les plafonds sont dingues. Donc voilà, j'espère que les gens qui vont dormir là passeront un très bon séjour. Nous, on va passer un excellent séjour dans la chambre de Damon. Tout ça, c'est un peu genre nos quartiers, enfin, avec les autres gens qui vont arriver, mais je pense qu'on est les premiers. Et voilà. Maintenant, je vais aller chercher les valises et je vais les monter sur deux escaliers. Je n'ai pas là pour vous donner un peu le plan de Covington. À travers cette fenêtre, c'est la maison de Rebecca. Alors, on ne la voit pas forcément très très bien. Et si vous regardez un peu par là, en gros, c'est la maison de Rebecca. Donc, quand je serai dans mon bain, bah, je surveillerai qu'elle n'est pas en train de faire des bêtises. dans son job. Oui. Mais je vais lui demander si on peut les essayer. Moi j'essaye celle-là et toi t'essayes celle-là avec le chapeau. Le chapeau ça tirait super bien je pense. Voilà, on vient pour leur petit snack dans le magnifique Bed and Breakfast 12 Box. Bed and Breakfast et snack du soir. Pour nous ça c'est un dîner, hein. Clairement le genre de dîner qu'on a à la maison. Ouais, tu l'installes par terre. Et on a pris, regardez, deux sacs à projet et un sac à projet bleu. Et un sac à projet bleu, c'est sûr que c'est pas le mien, c'est celui de Maman Nuage, qui
il fait sa rééducation tricotesque. Je précise que c'est pas du tout un truc médical, c'est un truc qu'on a inventé. Hein. C'est un petit enfant pour régaler. C'est qu'on lui ramène son tapis, il se met à côté du tapis. Il aurait dû le mettre sous la table. Ouais. Il aime bien être sous une petite cabane. Mon coquin. Allez, vas-y, montre-nous ton tricot. Oh non. Okay. Alors, pendant que je fais couler mon bain, je vais répondre à vos questions. J'ai rencontré au Nibbling Time une fellow fan de Vampire Diaries, donc c'était très cool de la rencontrer. Elle m'a dit que je ressemblais à Elena, donc c'était doublement cool de la rencontrer. En plus, elle était très gentille, elle était là avec sa maman aussi, donc tout comme nous. Alors, Maya qui dit « Coucou Éléonore, merci de nous partager ton voyage avec maman et Cupichou. On a vraiment l'impression d'y être. » Ah, mais je suis ravie parce que c'est vrai que je prends souvent ma première ou deuxième heure du matin pour faire les vidéos et tout, enfin tout monter. Donc, je suis contente que ça vous plaise. J'ai une petite question. Quand tu achètes des produits aux US, as-tu des frais de douane quand tu reviens en France? Non. J'achète jamais des trucs en grande quantité ou quoi que ce soit, mais non, les trucs que tu achètes dans un pays, que ce soit genre commandé et reçu aux US ou quand tu achètes un truc sur place tout simplement, tu payes pas de frais de douane dessus. Ça doit être limité à peut-être genre 10 000 euros de marchandises. Je regarde maman parce qu'elle sait peut-être mieux que moi. Mais bon, voilà, je n'achète pas 10 000 euros de trucs quand même. 10 000 euros de laine, vous imaginez, là, j'en fais craquer 4 valises. Hein. Même si c'est un cadeau que tu t'es fait, ça devrait être exonéré. Non, en fait, oui, c'est exonéré. Et pour info, quand vous achetez, si vous commandez des trucs des États-Unis vers la France et que vous le recevez en France parce que vous n'avez pas prévu d'y aller, vérifiez bien, mais je crois qu'on est exonéré jusqu'à 150 $ de marchandises. Donc par contre, les frais de port, c'est très cher, hein, mais ça peut quand même être utile de savoir ça, alors que les trucs qu'on commande en Angleterre, c'est 20%, surtout, il n'y a pas une exonération jusqu'à un certain montant. Surtout quand c'est de la laine, ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Pour l'instant, j'en ai pas acheté, hein. J'ai été raisonnable, mais je pense que d'ici la fin du voyage, on aura acheté deux, trois petits trucs. À demain, bisous, bye bye, je te fais des gros 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 bisous. Amélie Baglin, coucou à vous trois. Nous regardons tous tes vlogs avec attention et joie avec ma fille Andrea qui est fan de la série. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Elle se régale de voir tous les sites de tournage. Bon bah c'est la vidéo d'aujourd'hui, ça a dû te plaire Andrea, donc je suis ravie. Attendez, il faut juste que je me concentre deux secondes parce qu'en fait j'étais à un rang de diminution sur ma manche. Je sais pas trop où j'en suis de ma manche parce que justement quand on était en train de faire le tour à pied, je tricotais sur ma manche. Après je regardais le plan parce qu'on était un peu perdu. Après je reprenais ma manche et tout. Donc je crois pas que j'ai fait forcément le bon espace entre chaque diminution. Mais clairement, si on compare les deux manches, je suis pas du tout encore à la fin de ma manche. Donc tout va bien. Alors continuons. Elle se régale de voir tous les sites de tournage, les décors et même les maisons des personnages. Ah bah, je suis trop contente. Elle se demande qui aimerais-tu incarner comme personnage. Alors, je pense que ma personnalité, c'est assez celle de Catherine. Je pense que je ne suis pas assez organisée et genre bossy, etc. pour être Caroline, même si je l'aime bien. Mais je suis assez égoïste et centrée sur moi-même pour être Catherine. Voilà. Quel être préférerais-tu être si tu pouvais choisir hybride, vampire, loup-garou? Franchement, j'aime bien les sorcières. Je trouve que c'est quand même stylé. La plupart de mes scènes préférées, c'est des scènes où Bonnie, elle fait des trucs, genre pas des trucs forcément ultra remarquables, mais déjà, je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est Bonnie et Elena avec les plumes. Sinon, j'aime beaucoup la scène de Bonnie qui allume les bougies. Dans la maison des Lockwood. Enfin voilà, il y a pas mal de scènes comme ça et je pense que ce serait assez cool de faire de la magie et tout. Vampire, parfois j'aimerais bien, mais quand même les vampires ils ont des émotions très fortes, amplifiées.
Et moi, j'arrive dans un stade de ma vie où j'ai enfin mes émotions qui sont genre relativement stables. Hein. Après l'adolescence, c'est sympa d'arriver dans un espèce de calme. Et en plus, moi, mon calme, il est en hauteur. C'est-à-dire que je suis stablement heureuse. Donc, je ne sais pas si j'aurais envie de chambouler ça. Mais c'est une super question. J'y ai beaucoup réfléchi. Merci de nous faire partager ce voyage et de mon côté, tes beaux ouvrages tricot. Ah bah, je suis ravie. Je vais me mettre à la série. Ouais, mais carrément, attendez, faut que vous regardiez toutes les deux comme ma maman et moi, c'est super important. Des gros bisous à vous trois, enjoy. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Karine Guiraud. Coucou Éléonore, peux-tu me donner le nom de ton pull uni que tu as fait tout en torsade? Je ne trouve pas dans tes vidéos. Si c'est celui que je portais hier, je pense que tu peux retrouver le lien du patron, ce sera peut-être plus simple pour toi dans la description de la vidéo. Attends, je vérifie si je l'ai bien mis. Ah bah non, j'ai juste... Bon, j'ai écrit « May replay » et je me suis arrêtée là. D'ici demain, j'aurai mis le lien. Il va falloir que j'y pense. Mais du coup, c'est le « May replay » de Deb Hoss. Et d'ici que tu regardes cette vidéo, je l'aurai mis. Donc, tu pourras cliquer dans la description de l'épisode 22. Ce que je porte, tu cliques dessus et ça t'emmènera direct. Comme ça, ce sera facile pour toi. Je me languis toujours tes vidéos. Quel régal et plaisir tout ce que tu nous partages. Merci, merci beaucoup. C'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir que ça te plaise. Je t'embrasse très, très fort. Petit radis. Coucou Éléonore. J'ai du retard dans les visionnages des vlogs. La faute au travail qui m'accapare beaucoup. Vivement les congés la semaine prochaine. Trop bien. J'espère que tu vas bien profiter. La première chose que je vois est le sweat I smell snow de Maman de Nuage. Direct, je pense à Lorelai Guillemot. Ouais, c'est grave notre show à toutes les deux qu'on regardait quand j'étais petite et tout. J'espère que tout s'est bien passé pour elle après avoir retiré la telle. Tout va bien depuis que tu as retiré la telle. Attends, tu veux montrer ton bras? Waouh! Regardez sa mobilité. Waouh! Écoutez, elle a tricoté. T'as tricoté combien de rangs? 4-5 au moins, ouais, peut-être même une dizaine. Hein. Donc, non, 4-5. Donc tout va bien les amis, merci beaucoup. Les photos du shooting sont très réussies, ça va vous faire des jolis souvenirs. Ouais, je suis trop contente. Souvent quand je fais des shootings, des trucs comme ça, là, même pour la carte de Noël, je dois tanner Maman Nuage à faire partie du truc. Mais en vrai, ça fait des trop bons souvenirs, donc je suis super contente. À demain et bisous à vous trois. Gros bisous à toi. Mina Kate, coucou Elle, trop bien les photos, c'est génial. Est-ce qu'au Starbucks, tu as demandé un popochino pour Cupidon? Non, parce qu'en fait, Cupidon, dans notre Starbucks local donc, de France, il avait l'habitude d'avoir souvent des popochinos ou même, il savait quand on y allait, il devenait tout excité. Et en fait, bon, moi, mon chien, je considère qu'on partage nos mêmes maladies, etc. Donc, ne vous offensez pas sur ce que je m'apprête à dire. Je lui laissais, en fait, parce que souvent... Donc, moi, j'ai des cups réutilisables en France parce que, bon, déjà pour l'écologie, mais surtout parce que j'ai horreur de maintenant qu'ils vous donnent des boissons fraîches dans les gobelets jetables pour les boissons chaudes. Je comprends pas, c'est contre nature de faire ça. Et en plus, la paille, elle est en carton, elle devient toute mouchée et tout. Moi, je prends toujours des trucs super gros pour le boire longtemps dans la journée. Donc, ça m'énerve qu'ils fassent ça. Donc, j'ai des cups réutilisables. Et les couvercles des cups réutilisables, c'est très technique le Starbucks, sont pleins. Et du coup, parfois, ils me mettent tellement de chantilly que ça fait un dôme et si je ferme le truc, ça va exploser partout. Donc, je laisse Cupidon m'aider à manger, genre on mange chacun d'un côté la chantilly. Et le problème, c'est qu'en fait, entre ça et le fait que l'arrière-grand-mère de Cupidon, elle prépare des os, etc., elle met des os de côté tout le temps, pour lui, quand on va chez elle, etc. Et c'est quand même un petit chien, c'est-à-dire son poids de base, c'est 2 kilos. Il avait pris un peu de poids récemment. Du coup, on surveille. Et donc, on le laisse manger ses croquettes à sa faim. Il a des croquettes en continu, donc il mange tout ce qu'il veut. Mais par contre, voilà, la chantilly, etc. Je lui en donne que quand je dois lui faire avaler des médicaments parce que sinon il se laisse pas soigner. Voilà, donc on n'a pas demandé. C'est gratuit et je rêve d'en demander pour ma esquie, mais j'ai jamais. Mais attends, en plus en général les gens qui travaillent au Starbucks, dans la plupart des Starbucks où je vais, même genre sur les aires d'autoroute et tout, ils sont super sympas, c'est des jeunes et tout, ils aiment bien les chiens. Vas-y avec ton chien et puis tu te demandes carrément. Tu m'en diras des nouvelles. J'espère qu'elle va bien profiter. Silou M. Coucou Éléonore. Déjà dit, mais vraiment génial que tu partages tout avec nous. C'est vraiment sympa. Ah bah, je suis trop contente.
Je me demandais si maman Nuage est fan aussi de Vampire Diaries, si elle l'a vu en entier ou si elle est contente de te suivre dans cette aventure et de découvrir l'univers de la série. Alors, je suis une très grande peureuse, donc lorsque je regarde la série, il faut que je sois avec Eleonore pour qu'elle me soutienne. Ensuite, sinon toute la nuit, je vais avoir peur et je ne vais pas pouvoir dormir. Donc ça me limite quand même un peu dans les moments où je peux regarder. Je suis une fan parce qu'Eléonore est fan. Sinon, il ne me serait jamais venu à l'idée de regarder une série de vampires. Voilà. Mais maintenant que tu as regardé, qu'est-ce que tu en penses? Je me laisse prendre par l'histoire. Ouais, donc, c'est vrai. Oui, quand même, il y a des trucs d'époque et tout. Toi, tu aimes bien les séries d'époque. Est-ce que tu peux regarder mon bain? Oui, merci. Parce que là, on va faire déborder la baignoire. C'était moins une. Ok, bon bah continuons un petit peu du coup. Ouais, je continue 5 minutes. Donc voilà, tu as eu ta réponse. Cupidon trop mignon quand il découvre la nouvelle maison. Il était trop content. En plus, c'était top cette maison parce qu'elle était toute plein pied et très grande. Donc il a adoré courir partout et tout. C'était vraiment génial. Enjoy every moment. Merci beaucoup. Signé Sylvette, je te fais d'énormes bisous, Sylvette. Sinvava qui nous dit vraiment top ce voyage, bravo pour les décos de biscuits, était-il bon à manger? N'était pas aussi bon que les glittering biscuits, mais pour les avoir fait nous-mêmes, ils étaient très 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 bons. Merci beaucoup. Et je crois que j'irai. Ah non, non. Josie Hobbies, hello hello vous trois, mais quel beau voyage, merci de nous partager tous ces moments. Tu as dû trouver toutes tes activités autour du thème que tu as défini, c'est génial. Est-ce toi qui as tout organisé seul ou est-ce un package? Ah non, non! Alors là, je veux recevoir mon crédit. C'est moi qui ai tout organisé. La moindre petite chose, c'est moi qui l'ai organisé, c'est moi qui ai regardé. J'ai calculé, même genre ici au 12 Oaks, c'était une vraie galère de trouver les moments où les chambres qu'on voulait, elles étaient disponibles. Et entre-temps, les autres Airbnb, on voulait aller, etc. Donc j'ai vraiment tout fait moi-même. Car trouver une photographe qui propose cette prestation, ce n'est pas évident à trouver. Écoute, ça par exemple, pour te donner un exemple même sur tes prochains voyages, j'ai trouvé une fille qui faisait plein de reels, plein de contenus sur Instagram à propos de Vampire Diaries et de Mystic Falls et tout. C'est un peu genre la community manager de Mystic Falls et en gros, elle travaille avec plusieurs business pour les promouvoir, etc. Et donc j'ai regardé, j'ai épluché son compte. Et j'ai vu qu'elle travaillait avec Pastel Moon Photography. Et si vous regardez sur le compte de Pastel Moon Photography et sur le compte du Mystic Mercantile, donc c'est un des magasins de souvenirs, etc., de Mystic Falls, leur dernière photo à ce jour, je suis dessus avec Cupidon. Donc voilà, c'était très 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 rigolo. Les photos sont d'ailleurs superbes, pas étonnant que tu aies été sollicitée pour les réseaux sociaux. Ouais, franchement, elle était trop gentille, cette fille. Changer de chambre, c'est très original et super sympa. Je ne sais pas si en France, ils accepteraient car c'est du ménage supplémentaire. Oui, mais en vrai, on a payé... Enfin, les chambres, on les paye et de toute façon, je pense qu'ils font du ménage. Même quand on est resté deux jours, entre les deux jours, ils sont venus faire du... Ils n'ont pas changé les serviettes parce qu'on leur avait dit de ne pas les changer, mais... Sinon, ils font quand même du ménage et tout. Donc, je pense qu'au final, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Par contre, ce qui est bien, c'est que le jour où on a changé entre la suite Scarlett et la suite des frères Salvatore, on a pu rester dans notre chambre jusqu'au moment où l'autre chambre était prête. Et on n'a pas dû... Normalement, on doit partir à 11h et check-in à 16h. On n'a pas eu un temps de battement. On a pu transférer de chambre directement. Et ça, c'était vraiment bien. C'était bien de leur part qu'ils fassent ça pour nous. Vous faites bien d'en profiter. Et nous aussi, par la même occasion, bah, je suis contente que vous en profitiez avec nous. Merci encore et belle future découverte à toutes les deux. Des bises et caresses à Cupidon. On t'embrasse très, 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 très fort.
Mira la Curiositech. Bonjour Éléonore, c'est un vrai plaisir que de te suivre dans ton séjour. Trop contente. Tu pourrais me dire quelles parties de 12 Vox ont été utilisées dans Vampire Diaries et dans Sweet Magnolias Bees? Dans Sweet Magnolias, je pense pas qu'il y a eu des parties qui ont été utilisées de 12 Vox. Tu me regardes comme ça parce que tu penses que j'ai dit des bêtises? Non, parce qu'au contraire. Ah, ok. Par contre, dans Vampire Diaries, je vais voir si mon bain il est chaud ou pas. Et s'il est encore très chaud, je vais descendre vous montrer. Je regarde juste si j'ai pas d'autres questions qui ne nécessitent pas que... Ah oui, j'en ai encore. Alors, je finis ces questions-là. Les photos sont canons de la part de Caro et ses livres. Quel merveilleux, extraordinaire et précieux souvenir. Si j'ai le droit de rajouter un truc, j'adore ton sourire. Il est tellement lumineux. C'est trop gentil. Merci beaucoup. I got it from my mama. Où est-ce que j'en étais avec mes âneries? Mais est-ce que tu as tenté des prises avec un air plus sérieux, sombre, mystérieux dans ces lieux mystiques? Oui, tout à fait. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé et tout. Là, en fait, pour vous dire, toutes les photos que je vous ai montrées, c'est que genre un aperçu qu'elle les a, retouchées et tout, vraiment le soir même du jour où on a fait le shooting. Et sinon, toutes les photos qu'on a prises du shooting, ça arrivera, elle me les enverra dans 2 à 4 semaines, donc je vous partagerai ça très certainement sur Insta au moment où je les recevrai. Voilà, je te fais des gros 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 bisous. Merci pour ton compliment. Catherine Poncet, vous êtes bien belles toutes les deux et Cupidon a l'air de bien s'adapter. Oui, oui, il est adorable, j'ai hâte de voir les photos. Merci beaucoup. Connaissez-vous une marque de points de croix française qui s'appelle Nimuée? Tout un monde fantastique. Non, je connais pas. Eh bien écoute, je regarderai. Merci beaucoup pour ta suggestion. Je crois que j'ai répondu aux questions de tout le monde. Du coup, je vais aller voir mon bain. Et sinon, je vais aller vous montrer les endroits où ils ont filmé à 12 Vox. Finalement, je vais prendre mon bain maintenant pendant qu'il fait encore jour et tout. La vue est très sympa. Et après, je vous montrerai les lieux de tournage dans 12 Vox. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça a été beaucoup une inspiration. Mais par exemple, cette chambre-là où on est, il n'y a pas eu de lieu de tournage. Enfin, voilà. Je vais vous montrer ça. Vous me demandiez dans quelle pièce, etc., ils avaient filmé Vampire Diaries et Sweet Magnolias. Alors, dans la pièce-là, avec le chandelier, ils ont filmé la scène de 1864 de la danse avec les mains entre Stephen et Catherine. Et ensuite, quand ils sortent, ils vont dans cette chambre-là, la première chambre dans laquelle on est resté. Ensuite, est-ce que tu peux nous ouvrir la porte, s'il te plaît? Et ensuite, c'est surtout l'intérieur, l'extérieur qui a été utilisé. Donc, ici, c'est là que Catherine et Jonathan discutent des vampires, etc. Alors après, c'est surtout l'extérieur, voilà, qui est utilisé. Donc en fait, on les voit dans ces fenêtres-là. Voilà. Et sinon, Sweet Magnolias, ça a pas été tourné ici, mais je vous ai montré le Corner Spa. Beaucoup de chance, vous voyez, parce que je suis en train de monter un nouveau projet. Maman Nuage me recompte mes mailles. Sans pile poil. Tu ne peux pas le dire, Noël. C'est pas grave. En fait, parce que tu sais, c'est des patrons qui sont payants. Du coup, mais en vrai, si tu sais juste combien de mailles, avec combien de mailles, du coup, moi, en vrai, moi, je fais tout le temps. J'essaye de faire attention, mais parfois, ça sort. Donc, bon, ben voilà, moi, c'est sorti. Voilà. Donc, voilà, nouveau projet. Je suis en train de monter le pull. Pour l'instant, c'est un pull qui sera avec le yoke en jacquard. Pour l'instant, je vais faire toute la partie qui n'a pas besoin de jacquard. Voilà. C'est parti. Merci. Voilà. J'ai fait à peu près toutes les côtes. Je crois qu'il faut encore que je termine ce rang-là. Et après, bah, ce sera encore un projet en pause tant que je n'achète pas une bague pour le jacquard. Faut que j'avance encore un peu, je pense, en stockinette après les côtes. Mais voilà, voilà. C'est la couleur bois brûlé, le patron Ravenswood de Catherine Waterfield. Et c'est la Termina Sport de Arco Iris. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous !